Salut Christian. Bonjour Manu. Comment tu vas? Eh bien écoute, ça va bien. Bah t'es dans le fond de l'hiver, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors je suis en train de vérifier le débit d'une pompe à huile, d'une moto des années 70. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors, comme tu peux le voir, c'est une Kawasaki 400, KH, la petite sœur de la 350 S2 aussi mythique qui a fait la coupe Kawa. Et donc je suis en train de finir de la préparer pour que tu puisses aller faire un tour avec. Ok. Donc toi, tu es un spécialiste des 3 cylindres Kawasaki, qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans ces machines? Alors, ces motos sont superbes, ça rappelle notre jeunesse bien évidemment, comme à plein de gens, et c'est vraiment des motos qui marchent vraiment bien, qui ont du son, qui sont vivantes, qui sont vraiment vivantes. Okay, tu vas essayer. Ce sont des machines qui avaient une réputation peu sulfureuse à l'époque. Très sulfureuse, et au niveau des performances, c'était bien au-dessus du restant de la concurrence. Ok, donc tu nous as préparé celle-là. Alors je vous ai préparé celle-là et tu vas pouvoir l'essayer dans quelques minutes. Ok, ben j'ai hâte, alors je te laisse finir. KH400, l'évolution dans le bon sens de la 350 S2, malgré qu'elle ait perdu quelques performances, elle est passée de 168 km/h à environ 160 km/h. On a abandonné le frein à tambour pour un frein à disque qui est beaucoup plus efficace et surtout on a trois évolutions de partie cycle qui ont fait une moto qui tient quand même bien mieux par terre parce que les premières étaient quand même un peu hasardeuses et fallait avoir vraiment un gros cœur pour attaquer avec ça. Une partie cycle bien renforcée parce que le poids, le cadre a dû prendre au moins 5 ou 6 kilos en quelques années, donc beaucoup plus rigide. Mais on a eu en parallèle une grosse évolution au niveau du moteur parce qu'on est passé d'une moto qui consommait quand même, qui roulait bien, mais qui consommait quand même un tout petit peu dans les années 71-72, mais le carburant n'était pas trop un problème, à une moto beaucoup plus sage et utilisable au quotidien dans les années 76, on va dire. On est passé d'un allumage à rupteur qui était quand même à régler de temps en temps, ça veut dire tous les 500 km, il fallait se mettre à genoux et graisser les feutres et régler les vis platinées, à un allumage électronique où il n'y a plus de... on touche plus rien, quoi. La 350 S2, c'est un vélo parce qu'elle est très légère, très maniable et très puissante. La 400 S3, c'est un peu alourdi, mais dans le bon sens, parce qu'elle a gardé quand même toute la configuration moteur de la 3,5, avec quand même une perte de puissance qui n'est pas très importante parce qu'elle n'est que de 3 chevaux. Alors par contre, la 400 KH, elle a perdu plus de puissance, mais a gagné en longévité, en consommation et surtout en allumage électronique qui permet de plus faire d'entretien du tout au niveau de l'allumage qui était quand même très contraignant sur une 350 S2 ou sur une 400 S3. Le problème des 3 cylindres Kawasaki, c'est qu'ils sont devenus hyper prisés et très difficiles à trouver. Donc les budgets sont forcément un peu importants. Le problème n'est jamais la moto, le problème est toujours combien coûte une restauration. Et le prix du marché de cette machine, comme de pas mal d'autres, fait qu'il est bien inférieur au coût réel de reconstruction ou de rénovation d'une telle machine. Le budget moyen d'une 400, disons, entre autour de 6 000-7 000 euros. Pour une machine refaite, mais en n'oubliant jamais que le coût de reconstruction est souvent bien supérieur à ce budget, il peut être presque le double. Pour une 350 S2, comptez 9 000 euros, pour une très belle 350 S2, une belle 400 KH, 7 000, 7 500. Voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée de ce genre de machine. Après, une fois que si la machine est belle et relativement bien reconstruite, vous pouvez rouler 25-30 000 km avec, c'est des moteurs très endurants qui vont, avec deux réalisages, vous faire 70 000 km sans aucun problème. Alors la conso, soyons raisonnables,
disons 8 à 10 en moyenne pour une cage 400, alors qu'une 350 S2, il faut bien compter 16 si vous tirez dedans, litre au 100. La conséquence, c'est quand même le choc pétrolier de 1974 qui a obligé les constructeurs à revoir leur problématique de consommation et les problèmes d'environnement et d'écologie, etc. etc. Maintenant, le budget de ces motos au niveau consommation, les gens roulent quand même relativement peu. Les gens qui ont ce genre de machine font 1500 km par an, alors même si ça consomme 10 litres au 100, ça fait 150 litres d'essence. C'est un budget de 200 €, quoi. C'est pas très important, quoi. La KH400, le gros avantage, allumage électronique, donc quasi plus d'entretien au niveau de l'allumage. Pour le reste, c'est une moto très classique, facile à utiliser. Il faut simplement se prendre en main parce que le concessionnaire ne pourra pas beaucoup vous aider car il ne les connaît pas. Donc c'est un investissement de soi, mais c'est une connaissance de la machine et c'est vraiment l'esprit motard des années 70 que de s'investir dans l'entretien de sa machine. Quand on monte sur un 3 cylindres de temps Kawa et qu'on tourne la poignée de gaz, on rentre dans un autre monde, c'est magique. Voilà, il faut avoir essayé une fois dans sa vie. Il faut avoir vraiment essayé ça une fois dans sa vie. Les Kawasaki 3 cylindres, dans les années 70, c'était souvent les motos des méchants dans les films. Alors, je m'attendais à un comportement plutôt explosif, plutôt viril, compte tenu de la réputation de ces machines. Et je dois avouer que pour cette KH400, j'étais favorablement impressionné par le comportement plutôt docile de ce moteur. C'est l'une des dernières Kawasaki produites, donc il y a eu des améliorations, notamment au niveau de l'allumage. Et le travail des ingénieurs a consisté à beaucoup adoucir ce comportement qui était quand même plus viril sur les premiers modèles. Donc la KH400, finalement, c'est une machine qui peut s'adresser à un public qui n'est pas forcément connaisseur de ces machines et de ces moteurs à 3 cylindres de temps. C'est une machine qui est relativement facile à conduire. Le moteur est souple, à bas régime. Bon, évidemment, étant à deux temps, les mi-régimes sont plutôt sages. Et il commence à donner le meilleur à partir de 5-6 000 tours, où là, on commence à avoir une poussée plus soutenue jusqu'à environ 8 000 tours. Alors évidemment, c'est une machine qui fait 38 chevaux. Aujourd'hui, la moindre 500 basique fait déjà presque 50 chevaux. Donc c'est une puissance qui n'impressionnera plus grand monde. Évidemment, ce que l'on aime sur cette machine, c'est son esthétique, qui est très épurée, qui est très basique. Ça rappelle vraiment les plus beaux coups de crayon des années 70. Et puis, évidemment, c'est ce moteur. 3 cylindres, 2 temps, refroidi par air. C'est un moteur qui est bruyant, qui est très présent et qui émane aussi pas mal de fumée, voire de projection d'huile, puisque Christian a réglé ses machines un petit peu riches pour éviter tous les problèmes de serrage qu'on a connu sur ces machines, mais qui n'en était pas pour autant une caractéristique première, parce que les KH et la série H étaient relativement fiables. Pour le reste, c'est une machine qui est confortable. L'ergonomie est quasiment standard aujourd'hui sur les rosters du moment. On a les pieds un petit peu avancés. Le bloc moteur est un petit peu large, mais on arrive à se faire sa place relativement facilement, d'autant que le guidon est assez haut. La selle est longue aussi, elle permet aussi de se positionner facilement sur la moto. Donc, au global, on a un comportement moteur et châssis qui est relativement sain, en tout cas aisé, à partir du moment où on reste à des vitesses raisonnables. Non, le gros point noir de cette machine, c'est le freinage, puisque même sur ces exemplaires, s'il y avait un frein à disque, un seul piston flottant, avec des vieilles technologies pour le mettre cylindre, ça demande vraiment de la poigne pour se ralentir, car s'il faut vraiment s'arrêter, là, c'est aller à Jacques Taès, c'est un petit peu au bonheur la chance. Mieux vaut anticiper que de tenter le diable avec cette machine. Au final, la Kawasaki KH400 est sans conteste la meilleure porte d'entrée à l'univers des 3 cylindres de temps japonais. C'est une machine donc facile à conduire. Bon, une fois qu'on aura résolu le problème du frein avant, il y a des trucs et des combines simples pour obtenir un frein un peu plus agressif. C'est une machine à conseiller finalement à un large public. Évidemment, rien à voir avec les 3 cylindres Kawa qui ont vraiment forgé la réputation de la gamme et aussi le mythe lié à ces sportives pas comme les autres, notamment la fameuse 500H1. Mais ça, c'est une machine dont on vous reparlera très vite. À suivre.